Salam à tous, j'espère que vous allez bien, que ces jours caniculaires ne sont pas trop compliqués pour vous. Moi je fais cette vidéo parce que j'en ai marre. En fait je le dis avec le sourire, mais sincèrement c'est un rire jaune, dans le sens où je fais beaucoup de route et j'écoute la radio et je suis complètement choquée de ce que j'entends, ou plutôt de ce que je n'entends pas. Donc j'écoute les messages de prévention des animateurs, toutes radios confondues, hein, sauf France Macap 2 bien sûr. Et en fait, je me rends compte que on fait des messages de prévention, donc buvez beaucoup d'eau, hydratez-vous, pardon, blablabla. Et je suis choquée de la non-considération qu'ont tous les médias pour les musulmans. Ça veut dire qu'à aucun moment, il n'y a un seul message qui vient dire « et courage aux musulmans de France qui gênent ». Donc, il faut savoir quand même qu'on est juste entre 5 et 7 millions de musulmans français. Que ça fait juste entre 40 et 50 ans qu'il y a une grande vague d'immigration de personnes musulmanes, sans compter les convertis. Que ça fait juste encore plus d'années que la communauté musulmane est une communauté connue. Et je ne comprends pas pour quelle raison est-ce qu'on ne nous considère pas. On nous considère quand il y a un attentat, pour créer les amalgames, pour surfer sur la peur, pour faire de nous des boucs émissaires. Alors que ces personnes-là ne sont pas musulmanes. Et on est obligé constamment de se désolidariser, comme si que inconsciemment nous étions solidaires à ça. Et quand il s'agit de faire un acte de paix, un pas vers l'autre, montrer qu'on considère cette communauté, eh ben, il n'y a plus personne. C'est l'indifférence la plus totale. Et aujourd'hui, en fait, je ne comprends pas cette attitude. Je ne la comprends pas et je ne l'accepte pas. Parce que, mine de rien, c'est juste incompréhensible, c'est juste inacceptable. Ça ne veut pas dire qu'on a besoin de ce message-là pour avancer. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on a besoin de ce message-là, nous, pour continuer à jeûner. Non, pas du tout. C'est juste, en fait, que ce message pourrait être tellement fédérateur. Il pourrait être la naissance de tellement de points positifs. Mais tant que les médias continueront à faire comme si nous n'existions pas, tant que ça fera perdurer la division. Et la division, ça mène à énormément de choses néfastes. Alors qu'un simple geste comme ça, juste un pas, pour montrer que oui, on sait que vous existez, et on respecte, même si on n'a pas les mêmes pratiques, en fait, ce serait juste un bond vers l'avant. Mais ça, ils ne veulent pas le comprendre. Parce qu'ils ne veulent pas que ça change, en fait. Voilà, tout simplement.